Good morning, welcome to our fourth video capsule of the Olympus restoration project, the greenhouse and the frog pond. I'm going to show you again this time the progress on this construction site. I invite you to come with me. On va voir ici la brique retenue par rapport au mur qui est parallèle au ruisseau intérieur de la grande serre patrimoniale. Cette brique-là a été choisie en harmonie avec les briques existantes qui sont à l'extérieur de la grande serre. Donc la couleur est presque la même, je dirais la même. C'était le choix qui a été retenu par les consultants dédiés. Et voilà. Ça suit le contour du ruisseau. Bon, aujourd'hui, comme vous pouvez voir, on a une composante temporaire qui est installée au-dessus de la structure. C'est aux fins de protection contre les intempéries, notamment la pluie, afin de continuer nos travaux de restauration de la structure, soit l'acier, des composants en acier ou soit des composants en bois. Et que ce travail-là de protéger la structure va nous permettre de continuer à peinturer pour ensuite recevoir les vitres qui, comme vous pouvez voir, sont déjà arrivées au chantier. Bon, on est dans la partie supérieure de la grande serre patrimoniale et comme vous pouvez voir, on a un bel avancement qui a été fait ici, notamment l'installation de vitres. Comme je l'ai expliqué tantôt, on les fait tout de suite après la peinture et la restauration complète de la structure, composant en acier et en bois. Donc ici, on est rendu en installation à peu près de 80-85% pour toute cette partie supérieure. Et là, on commence à voir vraiment l'allure de cette serre patrimoniale à l'intérieur par rapport à ses composants au complet de son enveloppe.